Merci. Merci beaucoup. Ah. Comment tu vas? Je vais bien. Ah. Et chez vous ici? Alhamdoulilah, on ne se plaint pas. Est-ce que vous pouvez vous plaindre? Alba, regarde comment elle a grossi. Elle a grossi de partout, devant, derrière, à vous. Regarde, si un jour je fais faillite là, ce sera à cause de mes deux femmes et de 10 enfants qu'elles m'ont donné. Leur entretien me coûte des yeux, de la tête, parfois même la peau des fesses. Allez, on ne le coupe pas. Quand même, tu connais nos villes avec ton histoire d'argent. Toujours à te plaindre. Et à derrière les enfants. Ils vont bien. À part pour ce gars qui nous fatigue de temps en temps avec ses petites maladies, ça va. Chita, où est ta coiffeuse? Ah ouais, elle est allée se coiffer. Mais elle ne va plus tarder. Ça fait vraiment longtemps d'être. Depuis la tabaski là. C'est vrai. Passe un peu plus souvent nous voir. Je vais passer. Sita, toi tu crois que Adama est un vagabond. Et comment ça? Tu ne sais pas qu'il est comptable d'une grande société. Hein? Adama? Il n'a plus le temps. Comment? Mais on a sauvé. Laisse-nous bavarder encore. Je vous laisse bavarder et je retourne à ma cuisine. Adama, j'espère que tu vas goûter mon repas avant de partir. Oh, bien sûr. Monsieur le comptable. Excuse-moi de te poser cette question, mais que me vaut l'honneur de ta visite? Habituellement, tu ne viens me voir que les jours de fête. C'est vrai, Tu as raison, Nobila. Ce sont des problèmes qui m'amènent chez toi aujourd'hui. Des problèmes? Oui. Tu as pourtant dit que tout va bien. À vrai dire, tout va mal. Ça fait un moment que je n'ai plus d'emploi.